J'étais seule un matin, avec une jeune servante. Cambyse est survenu, étincelant sur son cheval couvert d'écume dont il n'avait pas daigné descendre. Il nous observait d'un œil sévère. J'étais toute petite. J'ai été éblouie. J'ai couru à lui en demandant « À cheval! À cheval! Avec toi !» Lorsque j'ai été plus âgée, Cambyse, malgré l'opposition de ma mère, m'a emmenée chasser aux confins du désert où il affrontait les grands fauves. En grandissant, j'éprouvais le désir croissant de participer à cette fête. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a supplié d'y renoncer en me disant que ce n'était pas la place d'une jeune fille. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et je continuais à rire et à chanter toute seule. Un matin, revenant un peu tard d'une chasse aux faucons, j'ai poussé mon cheval au galop jusqu'à l'entrée de notre domaine. Je me sentais merveilleusement bien ce jour-là. Et me croyant seule, je me suis mise debout sur la selle, comme me l'avait appris Cambyse, et j'ai sauté d'un bond sur le sol, en arrêtant mon cheval de la voix.